Bonjour à tous, bienvenue pour ce résumé de la troisième épreuve du championnat du monde d'endurance. Et on va commencer avec les plus belles images du deuxième rendez-vous de la saison. C'était sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne, bien évidemment. Une épreuve qui avait été remportée par la Suzuki GSX R1000 du team Zhongshen devant le QB Phase 1 et GMT 94. Et après la Grande-Bretagne, direction donc la République tchèque pour le troisième rendez-vous de la saison. Après les deux premières épreuves de l'année qui se sont déroulées sur 200 miles, des épreuves assez courtes somme toute pour un championnat d'endurance, et bien cette fois on va véritablement parler d'endurance avec une course de 6 heures. Et on commence avec les qualifications qui ont, depuis le début de la saison, donné lieu à de très très belles empoignades entre tous les équipages. Cette fois, la pole est un petit peu moins importante vu que la course va durer 6 heures, mais tous les équipages en font une question de principe, et puis également ça sert à se mettre en confiance. Et pour nous, on va essayer de faire des bons temps et essayer de remporter une autre victoire. Du côté du GMT 94, pas de victoire et pas de pole pour la première fois cette saison. Christophe Guillot nous explique qu'il ne faut pas oublier qu'on a réalisé 3 ou 4 pole positions et qu'on n'a jamais gagné en partant de la pole. Alors bien sûr, on est un petit peu déçu de cette position. Félicitations à Warwick Noland parce qu'il a vraiment fait un temps extrêmement rapide. His time was very, very, very fast. Et c'est le principal Zhongshen donc qui va s'élancer de la pole avec un temps moyen en qualification de 2.07 devant le GMT 94. On trouve ensuite le QB Phase 1. Et on se retrouve donc sur la grille de départ quelques minutes avant que le départ de l'épreuve ne soit donné des conditions parfaites pour une course de moto. Beaucoup de caméras, beaucoup de monde autour de cette grille de départ. Voici ce tracé de Brno que vous connaissez forcément si vous êtes adepte de sport mécanique et de moto en particulier. Et voilà la suite du championnat. C'est passé très vite avec la prochaine épreuve qui aura lieu à Suzuka avec les fameuses 8 heures de Suzuka. On a aperçu Sébastien Scarnato qui était protégé des rayons du soleil par William Cost, Bruno Bonneuil, ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Une ambiance assez décontractée somme toute sur la grille de départ. Voici Sébastien Scarnato et William Cost qui font donc équipe sur la machine de l'équipe de Christophe Guyot, cette machine qui s'est donc inclinée dans la séance de qualification. Mais c'est pas grave, c'est vrai que le plus important c'est bien évidemment la course, et on attend avec un petit peu de fébrilité le départ de cette troisième épreuve de la saison, avec un départ comme il se doit en endurance moto type Le Mans, avec les pilotes d'un côté, les machines de l'autre. Voilà, tout est prêt, le décor est planté, il reste maintenant à lâcher les fauves et à lâcher d'abord les pilotes. Allez, c'est parti pour 6 heures sur ce circuit de Brno avec un excellent départ de Sébastien Scarnato qui va prendre donc le meilleur en vol. Il est en tête au premier virage devant la machine qui avait signé la pole, la machine du team Zhongshen numéro 9, et ensuite l'autre moto du team Zhongshen, la numéro 2. Celle qui s'était donc imposée à Silverstone devant le QB Phase 1 et le GMT 94. Pour le moment, on a deux équipages différents vainqueurs des deux premières épreuves, puisqu'à Imola, c'était le QB Phase 1 qui s'était imposé devant le Hermann Verboven Racing. Un début de course très appliqué et très rapide malgré tout de Sébastien Scarnato. Et le QB Phase 1 avec cette machine numéro 3 qui dépasse ici l'équipage français de l'endurance moto 38. Bagarre pour la
sixième place. On revient aux avant-postes parce que Warwick Noland commence à mettre la pression sur Sébastien Scarnato. Warwick Noland, il a réalisé un temps incroyable en qualification, on l'a dit, 2-0-6. Alors que le meilleur temps du côté du GMT 94, c'était 2-0-7-648. Un écart assez incroyable et un écart qui se confirme sur la piste. Eh bien non, parce que Sébastien Scarnato repasse. Une lutte absolument magnifique entre les deux machines. On a du mal à croire à ce moment-là de la course qu'on est parti pour une épreuve d'endurance qui va donc durer 6 heures. Ça n'est pas rien. Pour donner une image, les spécialistes disaient qu'on était parti pour une course qui allait faire un quart des 24 heures, d'une course de 24 heures, par exemple de Schörschleben. Eh bien, en fait, on est plutôt parti comme une course qui se dirige vers un rythme de Grand Prix. Et le Zhongchen qui a donc finalement pris la première place et qui va finir par la conserver un petit peu plus longtemps, toujours donc devant Sébastien Scarnato et la machine du GMT 94. On trouve ensuite QB Phase One qui est passé en troisième position devant la deuxième machine du team Zhongchen. Mais vous le voyez, les écarts sont vraiment infimes en ce début de course. Dubelski, il revient en tête avec toujours le même ordre. Et le QB Phase One avec au guidon de cette machine Jason Pridemore. Très très beau début de course en tout cas de Warwick Noland. Et derrière, Sébastien Scarnato qui doit maintenant tenter de résister à Jason Pridemore. Jason Pridemore, c'est un pilote américain qui s'illustre cette saison dans le championnat américain de Formula Extreme. Et qui là est en train de mettre la pression sur Sébastien Scarnato. D'ailleurs, un équipage très hétéroclite que cette machine du QB Phase One numéro 3 avec Jason Pridemore, donc un Américain, Mike Edwards, un Britannique, et Frédéric Moreira, le Français. Albert Hertz qui a quelques petits soucis avec la machine du Vim Motors qui porte le numéro 1. Problème moteur sans doute. Et QB Phase One qui a récupéré la première place. Il est passé devant le GMT 94 alors que la machine numéro 2 du team Zhongchen a quitté la piste. On n'a pas l'image, mais cela a été bel et bien confirmé. Sébastien Scarnato qui lui aussi rentre dans les stands. Une technique très au point pour lever Sébastien Scarnato de la machine, on a vu ça, c'est impressionnant. Sécurité, sage décision. Et du coup, c'est William Cost qui récupère la première place. William Cost qui se retrouve donc dans le trafic. William Cost qui a donc pris le relais de Sébastien Scarnato, l'ancien pilote de Grand Prix, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, lui aussi avec la première apparition de la VTR 1000 Honda qu'il avait fait triompher donc pour sa toute première apparition dans la Sarthe. Puis il est toujours très rapide, très sûr, William Cost. On va retrouver Russell Benny et devant toujours le GMT 94 qui est en tête avec cette fois Christophe Guyot qui est aux commandes pour le GMT 94. Là, il va falloir faire attention à ne pas commettre d'erreur et à ne pas succomber à la pression qui devient de plus en plus importante de la part des équipages Zhongchen, redoutables
depuis le début de la saison. Zhongshan qui avait terminé 3e et 4e à Imola, qui s'est imposé à Silverstone. Bref, difficile d'échapper à l'équipe chinoise. Les Zhongshan avec la machine numéro 2 est en 2e place. Derrière, le GMT 94 et le Piazza Corse n'est qu'en 5e position. Il reste 2 places quand même à gagner. Le Piazza Corse qui ressort ici à des stands avec donc Dario Marchetti. Et toujours Christophe Guyot en pleine action. L'ancien champion de France de Superbike qui avait été sacré un petit peu à la surprise générale au nez et à la barbe des pilotes officiels. Voilà, c'est un véritable bras de fer que sont en train de se livrer le team Zhongshan et le GMT 94. On attaque de part et d'autre et on est revenu à nouveau dans un rythme qui n'est plus du tout celui d'une course d'endurance. On le voit vraiment là dans le pilotage, on donne vraiment tout ce qu'il est possible de donner avec ces machines. Et on est de retour sur le circuit de Brno en République tchèque, toujours pour le résumé de la 3e épreuve du championnat du monde d'endurance avec la machine du GMT 94 qui est toujours en tête, toujours poursuivie par cette machine Zhongshan numéro 2. Voilà, ravitaillement pour Christophe Guyot qui va laisser la place à celui qui avait pris le départ de cette 3e manche de la saison, Sébastien Scarnato. Ouais, la machine marche parfaitement, la piste est très bonne et la course est vraiment plaisante. Et oui, quand on est en tête, c'est beaucoup plus facile. Warwick Noland, lui, est de retour au stand. Il va donc repartir. Ah, j'aurais préféré ne pas tomber plus tôt dans la course parce que c'est difficile de revenir. Nos pneus ne marchent pas très très bien sur ce circuit. Je pense que les Michelin vont mieux. Je n'ai pas moyen d'aller en dessous les 2,09. Je peux y arriver, mais le GMT 94 tourne en 2,09 tout le temps. C'est impossible, je glisse tout le temps. Et puis j'ai du mal à voir, il y a tellement d'insectes. J'ai utilisé tous mes tire-off, je pensais qu'il pleuvait même à un moment. Enfin bon, il ne faut pas trop se plaindre. On est en 2e position, on continue de pousser. Et si le GMT 94 continue à faire ce qu'ils font, eh bien, on ne pourra pas les rejoindre. On est bloqué là et maintenant, il faut attendre et voir. On entre dans la 4e heure avec Igor Yerman qui quitte les stands. Et toujours donc cette machine numéro 94 du Guyot Motorsport Team qui est en tête avec Sébastien Scarnato, toujours aussi appliqué. Le Piazza Corse avec Marc Garcia qui est de retour au guidon et qui est lui en 5e position derrière Mike Edwards et devant toujours Sébastien Scarnato qui n'éprouve pour le moment aucun souci avec cette machine qui tourne comme une horloge, c'est vrai. Alors que devant, eh bien Sébastien Scarnato mène toujours grand train. Il revient au stand cette fois, Sébastien Scarnato. Et cette fois, il ne reprendra plus le guidon, il va laisser la place à William Coste. Warwick Noland, lui, est toujours en 2e position. On force un petit peu l'allure dans cette fin de course pour mettre la pression sur l'équipage qui est en tête. L'équipage qui est en tête, c'est bien évidemment et toujours le GMT 94 avec William Coste qui est reparti pour l'instant. C'est le seul équipage de pointe qui n'est pas
parti à la faute une seule fois. Et c'est peut-être le signe que la malchance a abandonné la machine numéro 94. Vous voyez les autres pilotes tomber. Alors j'ai vraiment essayé d'être très très prudent. Et là, c'est maintenant la course à la faute, on va dire. Il faut rester peut-être un petit peu plus prudent en cette fin de course. L'épreuve de 6 heures a toujours un équilibre très savant entre l'attaque et la raison. On ne sait pas si on doit encore faire un ravitaillement en essence. On est très très court en essence pour le dernier relais. Alors on va peut-être faire un petit ravitaillement. En tout cas, c'est la grosse question. On est de retour à Brno, en République tchèque, pour le résumé de la troisième épreuve du championnat du monde d'endurance. C'est la dernière partie de ce résumé que l'on aborde toujours avec William Coste sur la machine du GMT 94. Toujours en tête avec donc cette question, faut-il ou non effectuer un dernier ravitaillement, ce qu'on appellerait en sport mécanique américain un splash and dash. On repasse par les stands pour mettre quelques litres d'essence seulement dans le réservoir. La Honda Fireblade de l'équipe Starkenberger qui est partie là à la faute elle aussi. La tension qui commence à monter pour l'équipe du GMT 94, alors que pendant ce temps, eh bien, on attend fébrilement le retour de Warwick Noland, qui va donc laisser la place une dernière fois à Igor Yerman. On a donc fait un dernier ravitaillement du côté de l'équipe Zhongshen, et peut-être que du côté de Christophe Guyot, eh bien, on va choisir de faire de même, étant donné que les adversaires se sont arrêtés. On ne perdra pas de temps. Voilà, c'est ce qu'on a décidé. Et du coup, c'est le patron qui va prendre la machine pour le dernier relais, Christophe Guyot. La dernière heure de course donc avec le Ducati qui va quitter les stands, alors que cette machine numéro 7 est en 12e position. Et devant, pas de problème pour Christophe Guyot. Et Bruno Bonnuil qu'on a vu tout à l'heure s'exprimer de manière assez brillante en anglais, qui repart des stands avec cette machine qui est à nouveau sur le podium. Et du souci pour Herman Verboven. L'équipe Herman Verboven avec Wim Van Achter qui est au ralenti. Et devant, Christophe Guyot qui assure le rythme pour finir la course. On a beaucoup travaillé pendant les essais. On est vraiment très très content du comportement de la moto et des pneumatiques qui nous donnent beaucoup de grip. J'espère qu'on va pouvoir finir en première position. Je suis content, mais c'est vraiment difficile. Après la pluie, la nuit dernière, la piste a changé un petit peu et l'adhérence est un petit peu différente. Bernard Garcia sur cette Ducati numéro 21 pour prendre le meilleur sur la Suzuki de Bruno Bonnuil. Tout ça se passe toujours au beau milieu des attardés, alors que pendant ce temps, eh bien, Christophe Guyot, lui, conforte son avance. On prend énormément de risques. Et voici Christophe Guyot qui se retrouve devant les deux hommes, mais il y a un tour d'écart entre ces machines. Et preuve que le rythme est très élevé, Bruno Bonnuil et Bernard Garcia, eh bien, suivent le rythme de Christophe Guyot. Voilà, et c'est très très chaud là, avec attention Bernard Garcia qui va peut-être prendre l'avantage sur Bruno Bonnuil. En tout cas, il tente l'extérieur. C'est très osé et ça va passer peut-être. Oui, ça passe, magnifique dépassement de la part de Bernard Garcia. Bruno Bonnuil n'a strictement rien pu faire. Et en homme d'expérience,
Il a préféré ne pas tenter le diable et rester sur ses roues. Oh, attention avec Christophe Guyot qui ne sera sans doute pas content de se faire dépasser de la sorte à quelques minutes de l'arrivée. On revoit ce dépassement avec cet enchaînement gauche-droite. Et dans le premier gauche, eh bien, Bernard Garcia s'engage à l'extérieur pour se retrouver à l'intérieur dans le virage suivant. C'est à montrer dans les écoles de pilotage. Et toujours ces trois machines ensemble. Oh, le dribble de l'avant pour la Ducati. Et il est temps qu'on arrive, que l'on passe le drapeau à damier. Les machines commencent sérieusement à souffrir après 4 heures maintenant. Peut-être que l'un dans l'autre, on s'en sortira pas trop mal. Et regardez, à 2 minutes de l'arrivée, le team Guyot qui repasse une dernière fois par les stands pour un ravitaillement éclair. Allez, c'est reparti. On a mis quelques litres d'essence. Igor Yerman qui ne pourra pas profiter de ce dernier arrêt pour reprendre la première place. On est passé maintenant à 0 minute restante, autrement dit au prochain passage sur la ligne de chronométrage, eh bien Christophe Guyot aura gagné. Christophe Guyot et Sébastien Scarnato en compagnie de William Cost auront donc gagné cette troisième épreuve du championnat du monde d'endurance. Voilà le drapeau à damier et la très très belle récompense pour le GMT 94, une course menée de main de maître avec beaucoup de professionnalisme. Aucune faute de faite par aucun des trois pilotes et les Zongchen qui, en dépit de la chute de Warwick Noland, eh bien, termine deuxième, tout près malgré tout de la machine qui s'est imposée. Et puis troisième position donc pour le Piazza Corse avec cette machine numéro 21 emmenée par Bernard Garcia dans le dernier relais. En tout cas, très très belle victoire pour le GMT. Voilà donc confirmation du résultat. Le GMT 94 vainqueur devant le Zongchen numéro 2 et le Piazza Corse sur le podium avec, s'il vous plaît, une machine Superbike. Le reste du classement. En fait, c'était vraiment très très difficile, mais c'était très important pour nous de gagner aujourd'hui pour rester dans la lutte pour le championnat qui est bien évidemment le plus important pour nous. On est content de cette victoire, mais on veut absolument être champion du monde. Et ça, ça sera très très serré. Ouais, Christophe Guyot qui annonce donc la couleur. Ses adversaires ne pourront pas prétendre. Ils n'ont pas été prévenus. On va vraiment donner notre meilleur. Et puis on va retrouver Dario Marchetti. Et voilà au classement, le Zongchen numéro 2 passe en tête avec 7 points d'avance sur le QB Phase 1. Et le GMT 94 se remet en place dans la course au titre avec 9 places de retard. La prochaine épreuve, ce sera donc les 8 heures de Suzuka et vous aurez bien sûr un résumé sur Eurosport. Salut !